On ne donne pas le crédit dans le piment, maman. On ne donne pas le crédit dans le piment, maman. Bonjour. Bonjour, salut, salut. Là, je suis au cabinet du gouverneur. Le gouverneur qui est le représentant du chef de l'État, président de la République, à Douala. Je viens demander pardon à toute la nation. Pardon à un pardon officiel à toute la nation, toute la République, via M. le gouverneur. D'abord, Longa, viens ici. Viens. Voici Longa, votre fils, qui pleure devant vous. Que ça ne se fera plus. Mais pour le punir devant vous. Le gars, mets-toi à genoux ici. Assois-toi ici. Ça ne se fera plus jamais. Plus jamais. Demande à papa pour Bia pardon. Et à maman, tu dis, c'est ta famille. C'est eux qui t'ont tout donné. Je demande pardon. Pardon au couple présidentiel. Pardon à papa pour Bia. Pardon à maman Chantal Bia. Pardon à toutes les autorités. Pardon à tout le gouvernement. Pardon à tous les Camerounais. Pardon. Pardon au grand frère Djenet Djento. Je ne vous ai pas toujours écouté. Je vous demande pardon. Pardon, donnez-moi une seconde de chance. Lève-toi, mon frère. Donnez-moi une seconde de chance, pardon. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné, mon frère. Pardon, je ne ferai plus de Davis. Mon frère, lève-toi. Davis, maman. Pardon. Lève-toi. Pardon, Grand Djenet, pardon. 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 Lève-toi. Tout ce que je te promets, si vous voulez sortir Moïse Kamto, on reprend les élections ville par ville. Ville par ville, on va voir qui va gagner. Moïse Kamto va taper pour Bia 500%. Moïse Kamto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Je le dis, hoha, vous avez volé les élections. Tout le monde a vu. Je dis, allons ville par ville. On reprend les élections. Pour bien s'asseoir. Oui, quand on s'assoit comme ça. Et les gens se mettent dans un rang, ils commencent à voter. On voit qui on va voter. On voit qui les Camerounais vont voter. Arrêtez vos histoires là. Mettez tout le monde en prison si vous voulez. Hein? Mes frères Camerounais et mes soeurs, on dit que une main n'attache pas un paquet. Je suis le prince du Nkam, Djenet Djento, qui représente tout le Nkam, dont Longuet Longuet est mon jeune frère. Je suis venu vous demander pardon. Pardon au chef d'État. Pardon à ton fils. Pardon à tout le monde et les artistes que votre frère, votre petit frère Longuet Longuet a offensé. Au nom de tout le Nkam, je suis le prince, je vous demande pardon mille fois. Parce que Longuet Longuet, vous savez que partout je suis avec lui. Une fois j'ai essayé, mais nous ne savons pas. Vous savez qu'il y a d'autres gens qui maintenant utilisent les enfants des autres pour faire des choses dans la journée qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte. Mais nous, dans l'Onkam, on a décidé, parce que nous on a dit que dans ce Cameroun, il n'y a aucun tribu qui a la puissance que nous. On est parti dans l'Onkam, on a dit que si c'est quelqu'un qui a mis la main pour que notre fils soit comme ça, il est délivré au nom de Jésus. C'est pour ça que je suis le porte-parole pour demander au couple présidentiel, papa Paul Biya, maman Chantal Biya, c'est votre fils, quand il était dans ses peines, c'est vous qui avez mis l'argent, votre argent, vous avez sorti votre argent pour l'envoyer, pour l'enlever dans ses peines. Lui-même, il a dit à plusieurs reprises, mais nous ne savons pas.
comme tout le camp a décidé, ils m'ont donné la parole de demander pardon de toutes ces fautes des gens qui l'ont offensé. C'est pour ça que Papa Pobia et Maman Chantal Bia, je viens vous demander pardon pour notre fils Longuet Longuet, votre fils que vous aimez bien. Plus jamais jusqu'à le monde se sépare. Et Maman Chantal Bia, vous êtes une maman des enfants. Quand vous portez votre bébé ici sur votre cuisse, vous n'allez pas couper votre cuisse. Vous allez laver votre cuisse et doloter votre enfant. Voici votre fils qui est quitté, venu me suivre à Makepe avec son grand frère Davis Mambo. Parce que depuis que je suis rentré du village, pour que tout ça finisse, si c'est la main de quelqu'un, nous aussi on éteint cette main de quelqu'un. Je suis venu vous supplier le truc présidentiel et toutes les autorités du Cameroun et tous les Camerounais que votre fils vous demande pardon. Ce n'est pas moi. Vous savez qu'on est à moi. On ne parle pas de moi. Encore moins de combo. Hein? Quand nous serons faits là au Nicaragua, on coupe les zizi. Hein? Avec les testicules, on prend les matos, on pince comme ça. Ce n'est pas moi, mon commandant. Comment tu veux que ce soit écrit Longuet et il y a tes photos. Ce n'est pas moi. C'est ton avocat qui t'a dit ça. Non, c'est-à-dire. C'est que l'avocat ne vient pas ici. Non, je n'ai pas d'avocat. Hein? Je suis mon propre avocat. Le commandant Bangui m'a appelé. Je lui ai dit que non, c'est pas moi, mon commandant. Expliquez bien le problème en journée. Nous l'avons fait comme si vous ne connaissez pas ce qui se passe. Allez dans votre niveau là-bas. Allez. Tu dis que c'est qui a fait la problème. Donc on était à la barrière. Je dis que ce n'est pas moi, mon commandant. Ouais. Voilà celui-là. Celui qu'on venait d'arrêter. Là, qui avait déjà envoyé tout le monde en prison. Comment il s'appelle encore? Donne-moi son nom là, Djike. Le dernier qu'on vient d'arrêter là avec sa femme et tout le monde là. Qui avait volé 3 000 milliards. Comment il s'appelle? Mbengo. Mbengo, Alain Mbengo. Oui. Lui-même, il avait déjà mis les gens en prison, non? Et aujourd'hui, il n'est pas en prison. Mettez tous les gens en prison. Vous-même, vous allez finir où? Vos enfants vont finir où? Vos familles vont finir où? Hein? Moïse Kamto a gagné les élections. Et que si vous voulez, on reprend les élections. Faut bien s'asseoir comme ça, Moïse Kamto s'assoit. Et on dit aux Camerounais, bon, on commence. Douala, Bafou, ça, partout, les gens commencent à voter. On voit qui on va voter. Pas les histoires que vous amenez, les 10, vous mettez les 10 000 dans les enveloppes. Avec les peines sardines, vous donnez aux militants d'aller voter. Hein? Vous achetez le fromage, les trucs, les yaourts, tout ça. Vous allez donner aux militants. Les tissus, on dirait les tissus de sortie. Hein? Arrêtez-moi ces histoires. Maman au col, je m'adresse à toi. Tu es un parvenu. Tu es un parvenu à Maman au col. Tu es un parvenu, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour dire que Moïse Kamto s'est caché en bas du lit. Tu n'étais pas là pendant l'arrestation. Il ne faut pas jubiler. Quand vous voyez le malheur des gens, vous jubilez parce que tu parles à la télé. Tu n'as rien, tu dors chez tes parents. Tu dors chez tes parents à main au col. Tu n'as rien. Tu es un pauvre type. Tu es malheureux à main au col. Tu es malheureux, tu n'en veux rien. C'est moi qui te dis ça. Si tu as les couilles, viens m'arrêter. Et nous savons qui te monte. Tu as compris? C'est ce que je tenais à vous dire parce qu'on m'a demandé de ne plus faire les directs. Mais quand il s'agit de trucs aussi bizarres, moi je parle. Tu te mets à la télé, tu racontes, tu dis que oui, quelqu'un qui se fait passer pour un sauveur, pour un leader, au premier, ceci, cela, il se cache à la délire d'un enfant. Tu étais là quand Moïse Kamto se cachait? Tu étais là? Pas la vérité qui sort, que Moïse Kamto ne s'est jamais caché. Il ne s'est jamais caché. La preuve, on a voulu le libérer. Il a dit que si on ne libère pas tous les gens qu'on a arrêtés avec lui, il ne sort pas. C'est ça. On t'a déjà élu où? Moi, quand tu as même venu de la vie de Douala.
Deuxième dans tout le Cameroun, ce n'est pas donné. Tu peux mettre un dixième. Tu peux être quinzième maman au col. Tu peux. Est-ce que tu peux? Tu peux même créer un parti politique. Tu peux créer une association. Hein? Tu peux créer une association. Espèce de parvenu. C'est ce que tu as. Partagez-moi ce message. Je dis partagez. Partagez ça. Jusqu'au cabinet civil. Venez m'arrêter. Bande de voleurs. Ils ont volé les milliards. Vous avez volé les élections. Vous avez volé deux fois les élections. Une fois avec John Founi. Et cette fois-ci avec Maurice Kamto. Les Camerounais ne sont pas dupes. Parce que les Camerounais n'aiment pas la violence. Hein. On laisse seulement. On n'aime pas la violence. Mais vous avez volé les élections. Moi, je vous dis ça. Allez faire ce que vous voulez. Je suis là, je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je suis là. Nous sommes en démocratie. Donc maintenant, si vous êtes des dictateurs, venez m'arrêter. Voilà. Coupe-moi ça. Donne. Bande d'abrutis. C'est pas possible, ça. Vous voyez quand tu sais cacher à quel moment? Hein? C'est pas possible. Vous voulez même quoi de ici? Vous voulez vous laisse au pays, vous allez vous gérer avec vos grands-parents, vos grands-mères, avec vos tribus, vos frères. On vous laisse au pays, on ne parle plus. Je dis que libérer Moïse Kamto, on reprend les élections. Vous mettez les deux candidats comme ça, deux chaises. Les gens s'alignent pour voter. On voit qui on va voter. Alors celui que vous dites que tel mon candidat champion. Quel candidat champion? Quel candidat champion? Vous êtes fatigué, allez vous reposer, laissez les autres dire. Et je voulais m'adresser aussi les lions. Chaque jour quand vous gagnez, vous chantez les chansons des Ndongo. Les Ndongo sont là, ils souffrent à des dos. Une misère. Mais c'est leur chanson toujours qui vous galvanise. Qui est votre cri de ralliement? Quand si Tanga te balle, ouais. Et c'est quand vous chantez la chanson là. Vous pensez, gens qui ont composé ça. Hein? Après la Coupe d'Afrique, vous allez signer les contrats de milliards. Bassodon, c'est à partir de la Coupe d'Afrique du Gabon. Qui l'a signé les milliards? Est-ce que vous pensez aux artistes là? Vous pensez aux artistes là? Hein? Vous n'avez aucun esprit de patriotisme. Vous signez les milliards, vous n'allez même pas donner aux artistes qui ont chanté les morceaux. Deux morts, voilà, c'est un milliard. Allez voir les Ndongo, les chaussures sont tendues comme ça. Mais vous chantez les chansons. Arrêtez de chanter la chanson là. Arrêtez. Moi, il m'adresse à vous. Bande de sardina. Bon, le conseil, c'est le 20 avril à Montréal. Le 20 avril à Montréal, partagez ce message. Le 20 avril à Montréal, ne ratez pas le rendez-vous. Merci beaucoup. Je vous aime. Maintenant, si je meurs, ce que je suis meurs pour vous. C'est ça. Ouais. Il dit que Moïse Kamto s'est caché. Moïse Kamto s'est caché à quel moment? Reprenez-moi les élections. Là, on voit qui va gagner. Reprenez les élections. Papa, mix. Mix, c'est l'amour. Ouais. Regardez ça. Je suis en plein studio. Comment? Reprenons les élections qui ont gagné. Reprenons. Moïse Kamto, tiens bon. Tiens bon, nous sommes là. Condamner les gens condamnés à mort, c'est cela. Il dit que c'est Moïse Kamto qui a fait ceci. Il dit que. On voit. Mais est-ce que. Le directeur de campagne de Moïse Kamto, on peut le monter? On peut le monter. Comment il s'appelle encore le gars de Pendja qui est en prison là? Que il a dit que non, il y a un truc qui se passe, on doit monter, on doit déloger les ambassadeurs. Ce monsieur a retrouvé le RDPC. Oui. Comment il s'appelle encore? Hein? Le gars de Pendja. Non. Il est en prison. Manjo.
campagne de Moïse Campo. Parce qu'il a dit qu'il y a un plan qu'on est en train de mettre sur pied pour déloger les ambassadeurs. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Hein? Donnez-moi son nom. Donnez-moi son nom là. Regarde-lui son nom. On va écrire son nom. Donnez-moi le nom du directeur de campagne là. C'est un manipulateur. Lis son nom. Quelqu'un va écrire son nom tout de suite. Hein? Parce que, le directeur de campagne de Moïse Kamto avait dit que nous, il y a un plan qu'on est en train de monter pour déloger les ambassadeurs et mettre les combattants, c'est cela, c'est-à-dire n'importe quoi. On peut le monter. On peut le monter, que dit ceci. Et on l'a monté, pas que on l'a monté de dire tout ce qu'il a raconté là. Mais arrêtez-moi vos histoires là. Arrêtez ça. Arrêtez. Non. Si vous ne le libérez pas, vous ne le libérez pas. Le moment va venir. Le moment vient. Vous-même, vous êtes des prisonniers ambulants. Vous êtes des prisonniers, vous tous là. Vous êtes des prisonniers. On verra qui est qui. On verra. Le changement n'est plus loin. Le changement n'est plus là. Tenez bon. Moi, je ne suis pas du MSC. Parce que quand je commence à chanter, quand je commence à dénoncer Moïse Kamto, ne rêvait même pas faire la politique. Quand je commence à dénoncer les tabacs libyens étant encore à l'école, tous ces gens-là, quand moi je commence à chanter que ne privatisez pas le palais de Toudi, tous ces gens étaient encore à l'école. Ils étaient avec le pouvoir. Moi, je ne suis pas dans une équipe. Je ne suis pas avec quelqu'un. Mais je parle en tant que Camerounais. Vous êtes Camerounais que qui? Vous aimez le Cameroun que qui? Hein? Vous aimez le Cameroun, tout l'argent que vous avez là, l'argent là sort d'où? L'argent là sort d'où? L'argent que vous avez là. L'argent là sort d'où? Vous avez travaillé ça quand? Vous avez travaillé l'argent là quand? C'est ça. Une fois avec le grand conseil du siècle, le grand conseil du Barracuda. Conseil à ne pas rater. Longue, longue, enflamme Montréal. Longue, longue, met le feu à Montréal. Vous allez savourer tous les grands succès de Longue Longue. La vie de tout un chacun est tracée. On ne force pas le destin. Tu sais dit que tu seras président, tu le seras. Oh. Avant de te moquer de moi, il faut te regarder dans un miroir. Oh, faut te regarder. Avant de juger les autres, faut te juger dans un miroir. Oh, il faut te regarder. Quand je regarde l'Afrique, avec tous tes problèmes, je me demandais Africa, mais quelle avenir. Quand je regarde l'Afrique, oh, avec tous ces cadavres, si je tombe, oh, je vais me relever. Si je tombe, oh, bon, je vais me relever. Oh. Quand vous me voyez là, je suis moi comme ça. Ouais, le gars. Quand vous me voyez là, oh, je suis moi comme ça. Je n'ai pas de ministre dans ma famille, yo. Je suis moi comme ça. Je n'ai pas de policier dans ma famille. Je suis moi comme ça. Je n'ai pas de gouverneur dans ma famille, yo. Je suis moi comme ça. Je n'ai pas de policier dans ma famille. Je suis moi comme ça. Si aujourd'hui je dois affamer, c'est pas grave. Demain je vais manger. Si aujourd'hui je dois affamer, c'est pas grave. Demain je vais manger. Papa, oh, n'avait pas les moyens pour me lever. Maman, l'eau est décédée, a me laissé tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer à l'Europe. Moi, les jaloux. Je ne mourrai pas, oh, je ne mourrai pas, oh, je ne mourrai pas, oh. À ta arrivée du Seigneur, pour être béni. À ta arrivée du grand Dieu, pour être sauvé. À ta arrivée de Saint-Baptiste, pour être baptisé. À ta arrivée de Jéhovah, pour être baptisé. Je n'ai pas la chance avec les hommes. Rencontre dans la vie, sans les gagnants. Tous les gens que j'ai rencontré dans la vie, sans les gagnants. Sans les gagnants.
rocher. Quand j'étais le plus terrible chez moi. Aujourd'hui, c'est l'école à payer. Quand longue et longue apprenait à chanter, il n'y avait personne. Oh. Aujourd'hui, que l'école a payé, mon coco. Aujourd'hui, que l'école a payé. Aujourd'hui, que la musique a payé. Tu chantes encore quoi? Depuis Adam, l'homme est le maître de la terre. Il a exterminé ses ennemis, oh. Des dinosaures anéantis, des lions et les autres bêtes féroces dominées. Ouais. Depuis Adam, l'homme est le maître de la terre. Tous les grands travaux reposent sur ses épaules. Aïe, 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 mon électricité, oh, c'est l'invention de l'homme. Les agents, les fusées, les autos, les trains et les navires, oh. Les maisons et les buildings, les cités et les pays, ça c'est toujours l'homme. Et lorsqu'il rentre à la maison fatigué de sa journée de travail, il a besoin de parents douceux pour donner des baisers et tout l'histoire à savoir. Et de lui poser la question de savoir pourquoi tu es rentré en retard, chérie, pourquoi tu n'as pas mangé midi ici, pourquoi tu te promènes trop, je veux plus que tu te balades, et qu'est-ce qui se passe avec ta secrétaire à Bonando, aïe aïe aïe. Alors il sera irrité, il sera fâché, et lorsque l'on se fasse la guerre, les coups de poing, aïe aïe. Autant pour vous qu'il soit content, 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 parce que s'il est content, c'est la joie à la maison. Alors on est content, c'est le bonheur de tout le monde. Alors on est content. Alors on est content. Il fait des promesses. Si c'est de l'argent, tout le monde a fait ta main. Je la voiture. Tu le vas demain. Je vais le gagner les beignets. Allons chez Dorina. Je te donne tout, Mario. Calme. Il y a trop de chansons. Oh, il faut couper. Donc rendez-vous le 20 avril à Montréal. Longue va exploser. Montréal, il va enflammer Montréal. Venez nombreux, vous n'allez pas regretter. I love you, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. If you enjoyed this video, don't forget to hit subscribe so you never miss a video in the future. Also, make sure to comment down below letting us know which was your favorite. And for this video, let's see if we can hit the golden like button, which is 1,000 likes, so make sure to drop a like down below. Thanks for watching, guys.